Voilà, ici ce sera très bien. On est bien là. Salut les masters, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez une bonne énergie. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour partager avec vous des connaissances sur l'attention. Tout à l'heure, je voulais m'installer à un autre endroit et puis en fait, t'as vu, on a été un tout petit peu dérangé. C'est pas que c'est dérangeant, c'est juste que j'ai pas envie forcément que tu vois les fesses de Caramel pendant que je fais une vidéo. Alors, je me suis un petit peu éloigné. Eux, ils avaient envie de me suivre, mais papa a dit non. L'attention est nécessaire dans quasiment toutes les tâches du quotidien. Elle nous permet de nous concentrer sur un travail, d'emmagasiner et d'intégrer des données, de recevoir des informations, qu'elles soient partagées de façon orale ou écrite. Et c'est aussi nécessaire d'être attentif à nos pensées. Notre niveau de concentration dépend énormément des facteurs de l'environnement. Le bruit, le stress, nos soucis, la fatigue, les pensées interférentes. Le déplacement de mon attention peut se déclencher volontairement, par exemple si je regarde le sol en face de moi et cherche à y voir quelque chose, ou alors il peut se déclencher de façon automatique. Par exemple, s'il y a un bruit rapide derrière moi, je vais vouloir me retourner. Pour faire simple, l'attention est véritablement le gouvernail de notre conscience. Je répète ça, l'attention est le gouvernail de notre conscience. Ça veut dire que là où tu portes ton attention, tu viens porter de la conscience. C'est aussi pour ça que c'est relié à la pratique de la méditation, puisque lorsqu'on pratique la méditation, on cherche à poser notre attention sur quelque chose de précis. C'est pour ça aussi qu'on appelle ça l'exercice attentionnel. Et à mesure qu'on s'entraîne à poser son attention de façon consciente sur des éléments, qu'ils soient physiques ou intérieurs, eh bien, on va réussir à développer notre conscience de ce que l'on perçoit dans notre quotidien. Pourquoi ? Parce que attention est le gouvernail de la conscience. Donc si j'apprends à maîtriser mon gouvernail, je vais simplement apprendre à porter mon attention sur ce que je décide et je vais laisser tous les mécanismes automatiques de côté pour être réellement conscient de ce sur quoi je porte mon attention. Notre capacité attentionnelle est en fait un facteur d'efficience cognitive qui nous permet de mémoriser, de rester concentré sur une tâche, d'apprendre rapidement, etc. C'est pour ça que c'est très important de maîtriser notre attention. Quelqu'un qui a la capacité de rester concentré et d'être vraiment attentif à une tâche pendant de nombreuses minutes, tout ça en se coupant du monde extérieur, va être en mesure d'accomplir cette tâche avec plus d'intelligence et de productivité. Évidemment, notre attention, on peut aussi la partager. C'est-à-dire que je peux très bien être en train de conduire et avoir une conversation avec un ami. Mon attention est portée aussi bien sur la conduite que sur la conversation. Mais il faut savoir que lorsque mon attention est divisée comme ça, eh bien, cela nécessite plus de ressources cognitives.
On sait aussi qu'à mesure que l'on avance dans l'âge, eh bien, on peut avoir des difficultés attentionnelles. Ça veut simplement dire qu'on va avoir plus de mal à rester attentif à une même chose pendant de longues minutes. À mesure que cette attention diminue, eh bien, on est de moins en moins capable de faire des tâches complexes qui nécessitent beaucoup de concentration. On peut avoir des difficultés à mémoriser de nouvelles informations et on peut avoir du mal à résoudre certains problèmes. L'attention est également un processus cérébral qui est utilisé dans l'apprentissage. C'est logique parce que lorsque vous apprenez une nouvelle discipline, vous devez être concentré sur ce que vous dit le professeur, sans quoi vous resterez médiocre. S'il n'y a pas d'attention sur un nouveau contenu, eh bien il ne peut pas y avoir vraiment de mémorisation. Si vous voulez apprendre, si vous voulez résoudre des problèmes, vous avez véritablement besoin d'être en mesure de maîtriser votre attention. Ça nous est tous arrivé de se retrouver dans un cours et d'écouter un professeur. Le sujet nous intéresse, mais le professeur est profondément ennuyeux et au bout de quelques instants, on a juste envie de s'endormir. Il n'existe fondamentalement pas de technique pour s'empêcher de dormir lorsque votre interlocuteur est ennuyeux. Par contre, il existe des techniques pour améliorer votre attention. Et dans le même sens, il existe aussi des techniques pour diminuer votre attention. Retenez donc bien que si vous voulez rester conscient et maître de votre intériorité, de votre esprit, je vous invite vraiment à maintenant, dès maintenant, vous poser la question lorsque vous visionnez une vidéo, lorsque vous regardez quelque chose, que vous lisez un livre ou que vous êtes simplement dans une conversation avec vos amis, à vous poser la question ce sur quoi votre attention vient se poser. Est-ce qu'elle se pose là parce que c'est automatique ou est-ce qu'elle se pose là parce que vous avez décidé d'être attentif à cet élément précis? Et parfois, quand on s'ennuie, eh bien, on cherche à poser son attention sur quelque chose entre guillemets de divertissant, et c'est là justement que le mécanisme automatique est déclenché. Je vous invite à prendre conscience le plus possible quand cette attention est capturée, parce que parfois, que vous le vouliez ou non, et je suis concerné dans ce que je vous dis, l'attention peut être capturée, captivée par un élément qui est divertissant. Par exemple, si d'un seul coup il y avait un serpent qui passait en face de moi, tu peux être sûr à 100% que je serais captivé par le spectacle et mon attention délaisserait complètement l'objectif de la caméra. Et ça, je le ferais pas forcément de façon consciente, mais plutôt de façon impulsive et automatique. Exactement la même chose si demain je lance une vidéo et que je tombe sur un message publicitaire qui parle de quelque chose qui m'intéresse réellement. Alors on en vient à un point de détail qui me semble important. Est-ce que l'attention et la concentration, c'est la même chose? Eh bien en fait, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'attention et la concentration sont des éléments différents. L'attention se base sur des récepteurs internes et externes. Les récepteurs externes, ce sont les sens, le goût, le toucher, l'odorat, etc. Ça va être les sollicitations externes. Et ensuite, il y a tout ce qui est interne, c'est-à-dire nos émotions, nos pensées et certaines sensations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'attention peut donc être dirigée volontairement vers quelque chose ou elle peut être capturée involontairement par un élément sensoriel, par exemple. Par contre, la concentration, c'est un processus conscient qui nécessite de la présence. Son rôle est de faire abstraction de tous les éléments divertissants qui pourraient nous empêcher d'être focalisés sur quelque chose de précis et de pertinent. La concentration, c'est donc un acte conscient qui nécessite de l'attention et une attention qui va être dirigée consciemment sur un élément et qui va faire en sorte que tous les autres éléments qui ne sont pas destinés à être résolus dans le cadre d'un problème par exemple, soient complètement inhibés, ignorés pour que notre concentration reste optimale, il faut qu'il n'y ait aucun dérangement. Et on le voit tout simplement, plus vous allez être concentré sur quelque chose et moins vous allez percevoir ce qu'il y a autour de vous. Et à l'inverse, si vous êtes très conscient de tout ce qui se passe autour de vous, eh bien ça va être beaucoup plus difficile de vous focaliser sur un élément précis. À chaque instant de notre vie, un nombre plus ou moins important d'éléments viennent se poser, se présenter autour de nous. Et donc tous ces éléments rentrent en concurrence les uns avec les autres. Il est impossible de traiter l'ensemble des détails d'une scène de vie, par exemple, et donc notre cerveau fait nécessairement des choix. C'est pour ça que lorsque je dis notre attention est le gouvernail de la conscience, ça veut bien dire que comme on ne peut pas capter l'ensemble des informations sensorielles qui sont perceptibles à un moment donné, eh bien consciemment ou non, on est obligé de faire des choix attentionnels. Si tu fais un safari avec un expert, il va être capable de détecter un caméléon dans un arbre là où toi tu étais justement en train de regarder
regarder le coucher de soleil. Alors l'attention sélective, c'est simplement une attention qui va faire en sorte de se focaliser sur quelque chose. Ça veut dire simplement que tu vas poser ta conscience sur des éléments de détail précis. La concentration implique un effort important et donc vous allez pouvoir être concentré à partir du moment où vous avez cette capacité à utiliser votre attention sélective pour rester vraiment focus sur une activité. Retiens donc qu'avoir une bonne concentration implique d'avoir une attention sélective qui est importante et qui nécessite qu'on puisse inhiber toutes les choses autour de nous qui pourraient potentiellement nous faire perdre notre concentration. Tu comprends bien aussi que le fait d'apprendre une nouvelle discipline nécessite une capacité attentionnelle supérieure comparée au fait de faire une tâche quotidienne que tu répètes déjà tous les jours. Voilà, je te faisais une vidéo vraiment toute simple pour essayer de partager avec toi une connaissance de base que je peux résumer en une phrase. L'attention, c'est le gouvernail de votre conscience. À partir du moment où vous apprenez à maîtriser votre attention, vous apprenez à maîtriser votre conscience. Et la meilleure discipline que je connaisse pour réussir à maîtriser son attention, c'est la pratique de la méditation. Pourquoi ? Parce que méditer, c'est porter son attention sur quelque chose de façon claire, objective et consciente. Et c'est pour cette raison que je vous invite très régulièrement à pratiquer la méditation. En pratiquant la méditation, vous allez réussir progressivement à ne plus vous laisser capturer votre attention puisque vous aurez une bonne maîtrise de cette attention. Et la triste réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont de moins en moins d'attention. Et la raison pour laquelle ils ont de moins en moins d'attention, c'est parce que très régulièrement, ils consultent des vidéos, ils consultent des contenus rapides, ils scrollent sur Facebook, YouTube, Instagram, etc. Et à mesure qu'on va utiliser ces outils, eh bien, on va ramollir nos capacités attentionnelles. Donc, c'est très important pour compenser avec ça d'avoir des exercices, des pratiques, des routines qui vont entraîner notre attention. Et à mesure que vous allez consulter mes vidéos, vous allez trouver des tonnes et des tonnes d'éléments complémentaires qui vont vous inviter toujours à pratiquer l'exercice attentionnel. Voilà les masters, le soleil se couche, les derniers rayons sont en train de disparaître derrière la prairie et je suis très heureux de vivre maintenant dans cet environnement paisible et de pouvoir partager des vidéos avec toi qui sont fluides, avec une belle lumière, dans un environnement naturel. Je suis sûr que les vidéos à venir seront vraiment top et si tu as aimé ce que j'ai fait jusqu'à maintenant sur la chaîne, je t'annonce qu'on rentre dans un nouvel ère. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée pertinente, de laisser un like ou de laisser un commentaire si vous avez un avis sur ce que j'ai évoqué. Pensez aussi à vous abonner au mail si ça vous intéresse d'avoir des conseils. Je vous envoie 1 à 3 mails par semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit... Coupé.